I greet you all in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Are you happy to be in the house of God? Êtes-vous content d'être dans la présence de Dieu? Amen. Tonight we are going to pray more than listen to the word. We've heard the word which was the foundation for our fast of 3 days since Wednesday and a bit yesterday. Today we're going to pray. Nous avons écouté la parole de Dieu qui est la fondation de ces 3 jours de jeûne et prière. Nous avons écouté la parole le mercredi, hier, mais aujourd'hui nous allons plus prier. Now every prayer point that I'll give to you, it will be based on the word of God. Chaque requête de prière que je vous donnerai sera basée sur la parole de Dieu. As usual. Comme d'habitude. Proverbs chapter 6 verse 30. Proverbe 6, 30. To 31. The Bible says, people do not despise a thief if he steals to satisfy himself. When he is starving, yet when he is found, he must restore how many times? Seven times, sevenfold. He may even have to give up all the substance of his house. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit. Quand il a faim, si on le trouve, il fera une restitution cette fois. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. We've learned that seven is the number of perfection. Nous avons vu que 7 est le chiffre de la perfection. And completion. Et de l'accomplissement. You are not complete. Tu n'es pas complet. In one area or the other. Dans un domaine ou un autre. And when God will complete you, quand Dieu va te compléter, you'll go to the next level of your life. Tu iras à la prochaine étape, au niveau prochain de ta vie. Since we are in the seventh month, comme nous sommes au septième mois, we saw the power and the importance of the number seven in the mind of God. Nous avons vu l'importance du chiffre 7 dans la pensée de Dieu. And here again, we see that when a thief is found. Et ici, nous voyons que quand le voleur est arrêté, he must pay back, il doit restituer 7 times. 7 fois. Amen. Because he must pay what he took from you. Parce qu'il doit payer ce qu'il a pris de toi. And the damage. Et aussi, il doit te dédommager les intérêts. Alléluia. 7 times. 7 fois. So that you are complete. Afin que tu sois complet. For instance, you are about to do a business. Par exemple, tu voulais faire des affaires. And you have a deal. Et tu as eu un contrat, une affaire. And you need to deliver something, some goods. Tu devrais livrer des biens, une marchandise. And somebody steal your money. Et une personne vole ton argent. Money that was supposed to go in the purchase of the merchandise. L'argent qui devait aller à l'achat de la marchandise. And because of that, you miss the deal. Et à cause de cela, tu as raté l'occasion. The deal is gone. Donc l'affaire est partie, elle a foiré. Amen. Now, when you catch the thief, he gave you back your money. Alors quand tu attrapes les voleurs, il te restitue ton argent. But you've lost a deal. Mais tu as perdu un contrat, une affaire. Amen. And the benefit that was supposed to begin in that deal is gone. Et le bénéfice que tu devais te faire dans cette affaire-là est parti. Yet the thief comes with the money exactly the same amount. He gave to you. Mais si le voleur te restitue le même montant qu'il t'a pris, but you have lost a business. Mais tu as raté, tu as perdu une opportunité d'affaires. You might even lose a business partner. Tu peux même perdre forever. Un partenaire pour toujours. He can go and find another partner. Il peut aller trouver d'autres fournisseurs ailleurs. Amen. Now he gives you back your money. Alors il te donne ton argent. Are you happy? Est-ce que tu es content? You're not supposed to be happy. Tu ne dois pas être content. When we see God, how it's saying, he says, when you catch him, he must pay 7 times. Selon Dieu, quand vous l'attrapez, il doit restituer 7 fois. So that you may be complete, so that you may be perfect. Afin que tu sois complet, tu sois parfait. 7 times. 7 fois. Amen. Fixing even the damage that he has done to you. Et il paye même pour les intérêts. Il doit te dédommager pour ce que tu les manques à gagner.
Reason why tonight, c'est la raison pour laquelle ce soir, we're going to claim. Nous allons réclamer. Jesus said, the thief comes only to steal, to kill and to destroy. Jésus dit, le voleur ne vient que pour tuer, voler, égorger. But me, I have come so that my sheep may have life and have it more abundantly. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Alléluia. Now, there is something that has been stolen from you. Alors, il y a une chose qui t'a été volée. Look at your life. Examine ta vie. You've been praying. Tu as prié. You know, when we pray, God answers. Quand nous prions, Dieu répond. Every time you pray, your prayer is if you're praying according to the will of God. Si tu pries selon la volonté de Dieu. When you're praying for healing, is in the will of God for you to be healed. Si tu pries pour la guérison, c'est la volonté de Dieu que tu sois guéri. If you're praying for marriage, is the will of God for you to get married. Si tu pries pour le mariage, c'est la volonté de Dieu que tu t'es marié. If you're praying for children, God is the will of God for you to have children. Si tu pries pour des enfants, c'est la volonté de Dieu que tu aies des enfants. If you are praying for prosperity, God wants you to prosper. That is His will as well. Si tu pries pour la prospérité, Dieu veut que tu prospères. C'est sa volonté. Now, when you are praying, quand tu pries, God hears. Dieu entend. And when He hears, et quand il entend, He answers. Il répond. Nevertheless, néanmoins, the thief is stealing. Les voleurs volent. Your answers. Tes réponses. The best example is in the book of Daniel. Le meilleur exemple, c'est dans Daniel. He was praying and fasting for 21 days. Qui priait et jeûnait pendant 21 jours. The answer didn't come on the first day. La réponse n'est pas venue au premier jour. But on the 21st day. Mais le 21e jour. The angel came. L'ange est venu. With the answer. Avec la réponse. And he told him that from day one. Il a dit que depuis le premier jour. When you began praying, quand tu as commencé à prier, your prayers has been heard in heaven, ta prière avait été entendue au ciel. And I was sent. Et j'ai été envoyé. I was sent with the answer. Avec la réponse. But there is a prince of Persian, mais Persia, le prince de Perse which stood me, s'était opposé à moi. A huge demon, un démon géant was blocking him from bringing the answer. Qui m'est bloqué avec la réponse. It might happen with you as well. Ça peut être la même chose avec toi. If Daniel had his answer at the end of the day, si Daniel a obtenu sa réponse en fin de compte, it was thanks to his persistence. C'est à cause de sa persévérance. Amen. How persistent are you when you are praying? Combien persévérant es-tu dans la prière? Pray until you have your answer. Prie jusqu'à ce que tu aies obtenu ta réponse. Never give up. N'abandonne jamais until you have jusqu'à ce que tu obtiennes the result of your prayer. Le résultat de ta prière. Now, when we stop praying, quand nous arrêtons de prier because of lack of persistence, par manque de persévérance, the enemy can steal, l'ennemi peut voler your blessing, ta bénédiction. Amen. Amen. Now, how many, for how many things have you been praying? Alors, tu as prié pour combien de choses? Now we're gonna take back seven times. Maintenant, nous allons récupérer sept fois. Amen. The Bible says he must pray seven times, and you might take even he must give up even the substance, all the substance of his house. La Bible dit que il doit restituer au septuple et il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Because he's a thief, what he has in his house was stolen. Parce que lui, c'était un voleur. Ce qu'il a dans la maison, c'était bien volé. The devil is not a creator. Le diable n'est pas créateur. He can't create. Il peut rien créer. Everything that he has, tout ce qu'il a, was stolen. A été volé. You know, let me tell you something. Laissez-moi vous dire quelque chose. Those people are going to look for money in the wrong place. Les personnes qui vont chercher de l'argent au mauvais endroit. There are people who go to witches or sangomas to ask for money. Ils vont chez les féticheurs pour demander de l'argent. And then they have money. Et puis ils trouvent de l'argent. What money is that? C'est quel argent ça? That money has been taken from someone. C'est de l'argent qu'on a volé de quelqu'un. That is why some people are losing money. They don't understand. I had money, but I don't know where my money is gone. C'est comme ça qu'il y a des gens qui perdent des grosses sommes d'argent. Ils ne savent pas où l'argent est parti. You had money, but money is gone. You don't understand. Tu as fait de l'argent. L'argent a disparu. Tu ne comprends rien. Some will touch money and the money is finished.
with nothing to show. D'autres vont même toucher l'argent, ils vont palper, mais ils ne font rien, ils réalisent pas, ils ne voient pas comment ils ont dépensé l'argent. Some are even losing money in the house. Certains perdent de l'argent même dans la maison. You know that you've put here, now you're suspecting your wife or your wife is suspecting the husband. Et vous voyez les gens commencer à se soupçonner dans la maison. Le mari soupçonne la femme soupçonne le mari. Money was stolen. Il y a de l'argent qui a été volé. And that money, especially for those who are not paying tithe, God is not protecting your money. Et surtout pour ceux-là qui ne payent pas les dîmes, Dieu ne va même pas protéger ton argent. That's why he said, I will rebuke for you the devourer. Parce qu'il dit que je vais menacer celui qui dévore. When he comes to take to touch your money, he will rebuke him. Quand le dévoreur va venir essayer de toucher ton argent, Dieu va le menacer lui-même. Now tonight we are here to take seven times. Alors ce soir nous sommes là pour récupérer sept fois. For another one is the health. Pour une autre personne, c'est la santé. Stolen. Volé. Alléluia. Let me tell you that they are stealing even wisdom. Vous savez qu'ils volent même l'intelligence. You can see a child starting well at school. Un enfant qui commence bien les études. Very brilliant, very smart, very intelligent. Très intelligent, brillant. Suddenly something happened. Et soudainement, quelque chose arrive. He become like stupid and you don't understand. Inexplicable. L'enfant devient un peu. No, you said no. He's playing too much. Bête, oh, moins intelligent. No. Tu dis oh non, il joue beaucoup. They il regarde beaucoup. You, they can steal your intelligence. They can steal your brain. They can steal even organs. On peut voler ton cerveau. On peut voler ton intelligence. On peut voler même tes organes. That is why the Bible says the thief comes only to steal. C'est pourquoi la Bible dit le voleur ne vient que pour voler, to kill, pour tuer and to destroy. Et pour détruire. He's stealing something. Il vole quelque chose. It is written, read John chapter 10 verse 10. Lisez Jean 10 10. He's stealing. Il vole. Now you and we are not wrestling against flesh and blood but against demons, authorities, powers. And wicked spirit of the darkness. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits impurs, les principautés, les esprits méchants, les princes des ténèbres. Ephesians chapter 6 verse 12. Ephésiens 6 12. Amen. Amen. Now we have weapons. Maintenant, nous avons des armes. Spiritual weapons. Des armes spirituelles, but powerful, mais puissantes. To take back. Pour récupérer. Fasting is a weapon. Le jeûne est une arme. Prayer is a weapon. La prière est une arme. One of the most powerful weapon is your tongue. L'une des armes les plus puissantes, c'est ta langue. Your words are powerful. Tes paroles sont puissantes. Bible says death and life are in the power of your tongue. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Amen. Now I don't know how many things you've lost. Je ne sais pas combien de choses tu as perdu. For another is health. Pour certains, c'est la santé. For another is marriage. Pour d'autres, c'est le mariage. For another time stolen. Pour d'autres, c'est les temps perdus. Alléluia. But there is a time. Mais il y a un temps. For all things under the sun, there is a time. Pour toutes choses sur la terre, il y a un temps. You need to say, devil, enough is enough. Tu dois dire au diable, c'est assez. There is a time. Il y a un temps pour tout. Amen. Amen. Are you together? Are we together? Sommes-nous ensemble? Shall we please stand up? Nous allons nous tenir debout. Say, Father, fill me with your spirit. Dis, Père, remplis-moi de ton esprit. Ask the Spirit of God, he will give you power, anointing to pray tonight, to pray and to receive. Demande l'Esprit de Dieu, il te donnera la puissance, le pouvoir de prier et de recevoir. Ask, you shall receive. Demandez et vous recevrez. Let us pray for the Spirit of God. Demandons le Saint-Esprit de Dieu. He is our helper. Il est notre aide. Père éternel, je viens auprès de toi ce soir, je te demande la plénitude du Saint-Esprit. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, mon Père et mon Dieu, lave-moi dans le sang de l'agneau. Remplis-moi de ton esprit ce soir, afin que je puisse travailler avec le Saint-Esprit, afin que je puisse prier avec le Saint-Esprit, afin que je conduise avec l'aide du Saint-Esprit. Car la chair est faible, mais l'Esprit vivifie. Ô Esprit de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, viens ce soir et prends le contrôle de toutes les choses qui se fait et qui se dit. Au nom de Jésus-Christ, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, j'ai besoin.
besoin de toi. Viens dans le nom de Jésus-Christ ce soir. Au nom de Jésus-Christ, donne les révélations, donne l'onction, parole de sagesse, parole de connaissance. Dans le nom de Jésus-Christ, oui, Esprit de Dieu, viens, viens, Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ, alléluia. Now that you are filled with the Holy Spirit, maintenant que tu es rempli du Saint-Esprit, take back seven times. Récupère sept fois. Regarde dans ta vie. Look in your life. Est-ce que la santé est bonne? Is your health good, in good order? Est-ce que tu gagnes le temps ou bien tu as perdu du temps? Are you gaining time or did you waste time? Si tu as perdu du temps, if you have wasted time, parce qu'on dit, oh non, j'ai perdu du temps. Because we say, I wasted time. Le temps là, ça peut être une année perdue comme ça. It can be a wasted year. Tu dois récupérer. You must take it back. Peut-être c'est tes finances. Maybe it's your finances. Peut-être c'est la santé. Maybe it's your health. Peut-être c'est l'argent. Maybe it's money. Combien de projets ont été volés? How many projects were stolen from you? Tu sais combien de temps tu as dit cette année avant la fin de cette année je ferai A B C D? How many times did you say every beginning of the year that okay this year I have to accomplish this Est-ce and this que tu and as this? Fait? Did you accomplish? Combien ici n'ont pas dit cette année je vais me marier? How many here did not say many times this year I'm going to get married? Et l'année est passée. And the year passes by, they don't get cette married. Cette année je vais commencer le business. This year I'm going to start a business. L'année est passée. And the year passes le diable no business. T'a volé le temps. The devil is stealing your time. La Bible dit rachetez le temps. Now the Bible says redeem time. Rachetez le temps. Redeem time. Quand tu rachètes le temps. When you redeem time. Que tu rachètes sept fois. And you redeem seven times. Quand tu rachètes sept fois. When you redeem seven times. Tu vas voir que tu commences à faire des choses et tu rattrapes le temps. You will start doing things and you catch up wasted time. Tu te maries, tu fais des jumeaux et des triplés. You get married, you have triplets and twins. Tu rachètes le temps. You redeem time. Avec Dieu, c'est possible. With God, it is possible. Ce que les autres font pendant sept ans. What others, it took others 7 years to accomplish. Toi, tu le feras en une année. You will accomplish in 1 year. Amen. Ce que les autres possèdent après sept ans. What? Même 10 ans. It took others 7 years, 10 years to possess, to J'ai get. Dit à quelqu'un ce soir, I'm telling someone tonight. Tu peux le faire en un an. You will accomplish it in 1 year. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. C'est ça, racheter le temps. That is redeeming time. Au lieu de travailler pendant 7 ans, tu, cette année, tu as déjà. Instead of working 7 years, you work 1 year and you get everything. Avec la bénédiction de Dieu, c'est possible. With the blessing of the Lord, this is possible. On dit le temps perdu. Il est perdu, il est allé où? Oh no, wasted years, wasted diable, where? Il t'a distrait. Lost time, lost way. The devil was distracting Prions you. Prions ensemble. Let us pray. Regarde dans ta vie. Look at your life. Là où il y a quelque chose qui te manque. Where there are things that are missing. Récupère sept fois. Take back seven times. Là où il y a quelque chose que tu as perdu. Where there are things that you lost. N'abandonne pas. Don't give up. Réclame au voleur sept fois. Claim the thief must restore. Le voleur c'est le diable. The thief is the devil. C'est les démons. The demons. C'est les sorciers. Witches. C'est les esprits impurs. Wicked spirits. Récupère ta santé. Recover your health. Récupère ton mariage. Take back your marriage. Récupère ton intelligence. Take back your intelligence. Récupère ta fécondité. Take back your fertility. Récupère tes enfants. Take back your children. Dans le nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Récupère. Take back. Ce que tu croyais que tu vas avoir. Au nom de Jésus. Everything you know you must have. Recover. Dans le nom de Jésus-Christ. Père éternel, je viens auprès de toi. Quand on attrape le voleur, il doit restituer cette fois. Je viens auprès de toi ce soir. Et je te dis merci. Parce que je m'appuie sur ta parole. Je récupère cette fois. Le voleur doit me restituer cette fois. Cette fois ma prospérité. Cette fois le ministère. Pour le nombre de bénis que je devais avoir. Mon Père et mon Dieu, après toutes ces années, cette assemblée, cette salle devait être remplie. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, le voleur m'a volé les brebis sur lesquelles tu m'avais établi. Dans le nom de Jésus, Papa, je viens auprès de toi. Au nom de Jésus-Christ, j'ai dit au voleur, cette fois, au nom de Jésus-Christ, je ne prends pas deux fois, je ne prends pas trois fois, je ne prends pas quatre fois, non. Otorobo Shantanababa. Inderebe, Shantanababa. O
Et certaines choses sont de mon expérience personnelle. Many years ago, I had in a dream. Il y a plusieurs années, j'avais eu dans un rêve somebody, quelqu'un, an uncle of mine, un oncle. He came and gave me my money. He said, "Take your money." Il est venu dans un rêve, il dit, récupère ton argent. But not all of it. Mais pas tout. Il dit, prends d'abord ça. He said, first, just take this in the meantime. Amen. Moi, je priais. I was praying. Je vois un oncle paternel. I see an uncle. Qui vient et dit, prends d'abord ça. He says, il me remet de l'argent et dit, d'abord ça. He's je dis, non, remets money. Tout. And he said, take this for now. I said, no, give back everything. Il dit, prends d'abord ça. He said, take this for now. J'ai dit, remets tout. I said, no, give back everything. Après ce rêve-là, after that dream, j'ai commencé à palper. I started having money. Donc, ce papa-là avait fait quelque chose. So, that gentleman did something. Je l'ai vu. I saw it. Il me remet. He is returning. Il faut prier. You must pray. J'ai prié. I prayed. J'ai vu une autre personne. I saw another person. Qui est déjà morte. Who is no more. Il me remet ma photo. Giving me back my picture. Comment quelqu'un qui est mort, je ne pensais même pas à lui. I was not even thinking about him. Il dit, prends ta photo. He said, take back your picture. Donc, on m'avait fait des choses. So they did things to me. À mon insu. Without me alors, knowing. Alors, il n'y a pas que moi. So it's not only tu me. Es ici. You are here. Peut-être on t'a fait des choses. Maybe they did things against you. Je ne savais pas. Ce sont des gens que j'aimais. These are people that I loved. Ce sont des gens que j'aimais. People that I loved. Mais dès que j'ai vu ça, but as soon as Dieu I saw montré, that, God showed me. Les choses ont changé. Things changed. Dans le naturel. In the natural. Nous ne jouons pas nous quand nous prions. We are not fooling around when we la are praying. La semaine prochaine, nous jeûnons et nous prions lundi jusqu'à vendredi. Next week, we are fasting and praying from Monday to Friday. Il faut que les choses changent. Things must change. Le royaume de Dieu est forcé, ce sont les violents.
qui s'en empare. The kingdom of God suffers violence and the violent take it by force. Ce que nous faisons ici, c'est la violence. What we are doing here is violence. Si toi tu dors, if you are sleeping, ça te regarde. That is your problem. Tu seras comme le même hier, aujourd'hui, éternellement. You will be the same yesterday, today and forever, competing with God. Tu seras seulement comme ça. You'll just be like that. Tu verras des petits enfants venir et faire des choses. You see small children coming doing things and you are still the same. Oh, nous sommes à Joburg depuis 2 ans, 10 ans. We've been in Joburg for 20 years. But we don't see the 20 years in your life. Pray. Prier. Fast. Jeûne. Take back. Récupère. Notre Dieu, c'est un Dieu de la vengeance. Our God is a God of vengeance. Deutéronome 32, verset 35. Deuteronomy 32:35. Vengeance is mine. And recompense is mine. Their foot shall slip in due time. Their foot shall slip in due time. For the time, for the day of their calamity is at hand. And the things to come hasten upon them. À moi la vengeance, à moi la rétribution, quand leur pied chancellera. Car le jour de leur malheur est proche et ce qui les attend ne tardera pas. Tes ennemis, le jour de leur malheur est proche. The day for the sorrow of your enemies is near. Celui qui est à la base de tes problèmes, son malheur est... Whoever is causing you trouble, his day is... Celui qui fait souffrir ta famille, son malheur est... Whoever is causing trouble to your family, his day is... C'est Dieu qui va te venger. God himself will avenge you. Il dit à moi la vengeance. He said, vengeance is mine. À moi la rétribution. Retribution is mine. Mais quand il fait ces choses, when he's doing these things, vengeance c'est 7 fois. Vengeance is 7 times. Genesis chapter 4, verse 15. Genèse 4, 15. Genesis chapter 4, verse 15, the Bible says, and the Lord said to him, God speaking to Cain, therefore, whoever kills Cain, vengeance shall be taken on him. How many times? L'Éternel lui dit, si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Combien de fois? That means perfect vengeance. Ça veut dire une vengeance complète. A total, complete vengeance. Alléluia. Dieu dit la vengeance, il va venger 7 fois. God says he will avenge 7 times. Alléluia. Ne regardez pas, j'avais promis que je vais acheter, j'ai acheté. Those are the heaters I promised I will buy. I'm buying them. Il y avait seulement un. We only had one. J'ai dit je vais acheter, j'ai acheté un. I bought another one, a second. Mais j'ai vu Mama Sophie et Mama Georgette là-bas. Now I saw Mama Sophie and Mama Georgette. They were shaking the other day because of the cold. I'm going to sew these things. J'aime s'aimer. I like to sew. Amen. God says He will avenge 7 times. Donc Dieu dit qu'il va venger 7 fois. That is in Genesis chapter 4 and verse 15. Genèse 4 et le verset 15. The Lord said to him, therefore, whoever kills Cain, vengeance shall be taken on him 7 times. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Now, you know that people misuse you, people mistreat you, people mistreat you, and people did wrong to you. Tu sais que les gens t'ont usé, ils t'ont abusé, ils t'ont maltraité, ils ont trahi, ils t'ont fait du mal. Si tu souffres, qui est à la base? If you are in pain, if you are suffering, who is behind it? Il y a quelqu'un qui est à la base. There's someone behind that. Tu vas dire Seigneur. Say Lord. Venge-moi 7 fois. Avenge me 7 times. Tu as dit à moi la vengeance. You said vengeance is mine. À moi la rétribution. Retribution is mine. Regarde ce que je traverse. Look at what I'm going c'est through. Celui qui est à la base de mon malheur. Whoever is causing my sorrow. Tu as dit à moi la vengeance. You said vengeance is mine. À moi la rétribution. Retribution is mine. Venge-moi 7 fois. Avenge me 7 times. Pour qu'il sache. So that they may know. Qu'on ne se moque pas de Dieu. That God is not mocked. Pour qu'ils sachent. So they may know. Que je suis ton enfant. That I am your child. Venge-moi. Avenge me. 7 fois. 7 times. Quand Dieu te venge 7 fois. When God avenges you 7 times. Ils vont jurer de ne plus jamais te toucher.
They will swear never to touch you ever again. Souviens-toi de Haman. Remember Haman. Alléluia. Il voulait tuer. He wanted to kill Mordecai. Dieu a fait les choses. God did things. Mordecai n'a pas été pendu. Mordecai was not hanged. C'est lui qui a été pendu. The one who was celui qui voulait pendre. Hanged instead is the one who wanted to hang. Non seulement on l'a pendu, not only was he hanged, mais on a pris ses maisons, but they took his houses, son poste au travail, on a donné à Mordecai, his work position, they gave it to Mordecai, sa villa, his villa, avec les meubles dedans, his mansion with the furniture inside, Mordecai. Alléluia, parce que Dieu a vengé, because God avenged. Sept fois. Seven times. Il dit, je vais te venger sept fois. So I will avenge you seven times. Si Dieu, if God, parle comme ça à Caïn, can speak in this manner to Cain. Alléluia. Qui avait tué Abel? Who killed Abel? Maintenant toi, tu n'as tué personne. What about you? You never killed anyone. Dieu va faire comme toi. What will God? What can God do for you? Et la Bible dit que Dieu a mis un signe. And the Bible said God put a mark, a sign, sur Cain, on Cain, pour qu'on le tue pas, so that he will not be killed. S'il a mis un signe sur Cain pour qu'on le tue pas, qu'il mette aussi un signe sur toi pour qu'on te tue pas. If God set a mark on Cain so that he will not be killed, let him do the same with you, so that you will not be killed. Demande à Dieu de te venger cette fois. Ask God to avenge you seven times. Dis, Seigneur, j'ai souffert, ça suffit. Say, Lord, I have suffered enough now. Venge-moi maintenant. Avenge me now. Celui qui est à la base de mes souffrances. The one who is causing my pain, my suffering. Qu'il sente ta colère. Let him feel your anger. Sept fois. Seven times. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Lift up your voice. Lève ta voix. Seigneur, tu as dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Au nom de Jésus-Christ, mon Père et mon Dieu, tu connais tous mes soucis. Tu connais toutes mes maladies. Tu connais tous mes problèmes. Tu connais toutes mes souffrances. Au nom de Jésus-Christ, papa, tu connais les souffrances de ma famille, mes enfants, ma papa, celui qui est à la base. Mon Père et mon Dieu, je demande maintenant la vengeance. Venge-moi. Tu as dit à moi la vengeance. Tu as dit à moi la rétribution. Venge-moi, papa. Dans le nom de Jésus-Christ, oh Rabba. Jinderebe kosondoro ikaka. Inderebe koshika kindrebe. Yandaraba kosondoro bokoshika kinderebe kosha. Dans le nom de Jésus-Christ. Inderebe koshandaraba koshé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rababa shandaraba koshé. Dans le nom de Jésus, venge-moi, papa, venge-moi, mon Père et mon Dieu, afin que mes détracteurs, qu'ils sachent qu'on ne touche pas au loin de Dieu, ceux qui sont à la base de mes malheurs, ceux qui sont à la base de ma souffrance, au nom de Jésus-Christ, mon Père et mon Dieu, frappe-le, exerce ton jugement, venge-moi, papa, tu as dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dans le nom de Jésus, au torobo. Au nom de Jésus. Hallelujah. Venge-moi, papa. Au nom de Jésus-Christ, tous mes problèmes ont une source. Là où il y a une personne, là où il y a un esprit, là où il y a un démon, à la base de mes problèmes, au nom de Jésus-Christ, exerce ton jugement. Frappe-le, mon Père et mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ, venge-moi sept fois. Sept fois, papa. Au nom de Jésus-Christ, qu'il sache qu'on ne touche pas au loin de Dieu. Rababa Shandaraba. In Jesus' mighty name. Isaiah chapter 49, verse 26. I will feed those who oppress you with their own flesh,
And they shall be drunk with their own blood, as with sweet wine. All flesh shall know that I, the Lord, am your Savior and your Redeemer, the Mighty One of Jacob. Amen. Ésaïe 49, 26. Et le verset 26. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton Sauveur, ton Rédempteur, le Puissant d'Israël. Est-ce que vous entendez bien cela? Did you catch that? Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. I will feed your oppressors their own flesh. C'est-à-dire bakolia na bango moko. It means they will eat one another. Bao balingaki balia yo. Those who are planning to eat you. Bakolia na bango moko. They will eat themselves. C'est Dieu qui parle. It is God speaking. Donc il y a des gens qui mangent des gens. So there are people who are eating people. It's there. In the Bible. C'est la Bible. God says those who want to eat you, I will feed them with their own flesh. Dieu dit que ceux qui veulent te manger, je les nourrirai leur propre chair. And those who want to steal your blood, I will make them. They will be drunk with their own blood. Et ceux qui veulent boire ton sang, ils vont s'enivrer de leur propre sang. Tell God, let it be done as it is written. Dis à Dieu qu'il me soit fait comme c'est écrit. Those who want to eat my flesh, ceux qui veulent manger ma chair, feed them their own flesh. Qu'ils mangent leur propre chair. Those who want to eat the flesh of my children, ceux qui veulent manger la chair de mes enfants, let them eat the flesh of their own children. Fais-les manger la chair de leurs propres enfants. Those who want my blood, ceux qui veulent mon sang, make them drunk with their own blood. Qu'ils s'enivrent de leur propre sang. That is our God. Ça, c'est notre Dieu. That is a part of the vengeance of God. Ça fait partie de la vengeance de Dieu. Pray. Prie. Celui qui veut te manger là, qu'il mange sa chair lui-même. Those who want to eat you, let them eat their own flesh. C'est dans la Bible, nous avons lu, n'est-ce pas? It is in the Bible. You read it, right? Dis Seigneur, fais-leur manger leur propre chair. Let them eat their own flesh. Let them drink their own blood. Pas la mienne. Not mine. Pas le sang de mes enfants. Not the blood of my children. Pas la chair de mes enfants. Not the flesh of my children. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus. Lift up your voice. Élève ta voix. Éternel Dieu des armées. Mon Père et mon Dieu, celui qui veut ma mort, qu'il meure lui-même. Celui qui veut mon sang, qu'il boive son propre sang. Fais-le boire son propre sang. Au nom de Jésus-Christ, celui qui veut manger ma chair, fais-lui manger sa propre chair. Au nom de Jésus, celui qui veut manger la chair de mes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Au robot, Yandarabako Shendere Ikeke. Inderebes Korobo Shandarabai. In the name of Jesus. Fill them with their own flesh. Father, Father. Elohim Adonai. Let them eat their own flesh. Let feed them with the flesh of their own children. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Rabababa Shanda Rabakoshi. Undorobokosha. Shinderebe. In the name of Jesus, in the mighty name of Jesus, dans le nom de Jésus, fais-les manger leur propre chair, mon Père, mon Dieu. Qu'on mange pas ma chair, qu'on mange pas la chair de ma femme, qu'on mange pas la chair de mes enfants, au nom de Jésus, au nom de Jésus. In the name of Jesus, Seigneur, fais-leur manger leur propre chair. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Brother Jose in front, Bridget in front,
already in front. Ma'am Lydia, in front. You stand here and you are praying. Prions. Vous allez prier ensemble avec nous. I will pray. I see something, but Robobosha. Je vois des choses. As we are praying. Pendant que nous prions. Amy, in front. Deuteronomy chapter 28, verse 7. Deutéronome 28, 7. The Lord will cause your enemies who rises against you to be defeated before your face. They shall come out against you on one way and flee before you seven ways. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. Aurélie, where are you? Amen. You too. Aurélie, push. Hallelujah. Your enemies are many. Tes ennemis sont nombreux. They came in a group. Ils sont venus en groupe. But God will make them to flee. Mais Dieu les mettra en fuite. How many seven? Amen. How many ways? Par combien de chemins? C'est-à-dire tout la moitié. Complete total running away. Alléluia. Donc tu n'auras plus d'ennemis. It means you will no longer have enemies. Ils sont venus en groupe. They came as a group. Mais Dieu va les faire fuir par sept chemins différents. But God is going to make them run seven different ways. C'est-à-dire victoire totale. It means total victory. Now you need to pray. Alors il faudra prier. Tell him, Father. Dis-lui, Père. That's your word. C'est ta parole. You are not a man, so you should lie. Tu n'es pas un homme pour mentir. Heaven and earth can pass, but your word will remain forever. Le ciel et la terre passeront, mais ta parole I'm demeure. I'm praying upon your word. Je prie sur base de ta parole. There are so many. Ils sont nombreux. Against me. Contre moi. Now make them to flee. Qu'ils puissent fuir. They came on one way. Ils viennent contre moi un seul chemin. Let make them to flee. Fais-les fuir. Hugo, come here. Hugo, tu viens. Robo Shakaraba. Make them to flee seven ways. Qu'ils puissent fuir sept fois différents par sept chemins. Enough is enough. C'est assez. In Jesus' mighty name. Dans le nom puissant de Lift Jésus. Up your voice. Élève ta voix. Rababa, Shantaraba, Sotorobo. Papa, je viens auprès de toi. Ils sont venus. Mon Père et mon Dieu par un seul chemin. Pour me combattre, mon Père et mon Dieu, spirituellement, matériellement. Combattre ma famille, combattre mes enfants, combattre mon ministère. Mon Père et mon Dieu, fais-les fuir maintenant par ce chemin différent. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Rabababababababa. Robobosha. Edelebe Koshikakura Baba. Dans le nom de Jésus-Christ, Papa. Mon Père et mon Dieu, fais-les fuir par ce chemin différent. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, fais-le fuir par sept chemins différents. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, vous êtes venus par un seul chemin. Maintenant, mon Dieu est avec moi. Il vous fait fuir par sept chemins différents. Orabakoshé, indélébé korobosé. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Rabba Korobosé. 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 Au nom de Jésus. Fais-le fuir par sept chemins différents. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, vous êtes venus contre moi par un seul chemin. Mais Dieu est avec moi. Le Dieu d'Abraham est avec moi. Il vous met en fuite et vous fuyez.
par ce chemin différent. Votre chemin, il est ténébreux, il est glissant. Au nom de Jésus, ce chemin différent. Oh Rava, Chikereve, Sondorovo, Ikaka. Dans le nom de Jésus. Something is happening. Alors, quand le Seigneur les met en fuite, quelque chose se passe. Deuteronomy chapter 28 and verse 8. Verset 8. The Lord will command the blessing on you, in your storehouses, and in all to which you set your hand. And he will bless you in the land which the Lord God is giving you. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Now that the enemy are gone, maintenant que les ennemis sont partis, seven different ways, par sept chemins différents, they are gone. Say they are gone. They are gone. Dis, ils sont partis. In Jesus' mighty name. Dans le nom puissant de Jésus. You evil spirit, you witches, esprit méchant. You came to me, you came against me, one way. The God of Israel is with me. He made you to flee. Seven ways. Never again. In Jesus' mighty name. Give a hand to Jesus. Acclamons pour Jésus. Now pray verse 8, which says, claim this promise. The Lord will command the blessing on you. Réclame la promesse. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. In your storehouses. Dans tes greniers. Not one house. Pas dans ton grenier. Dans tes greniers. You will have storehouses. Tu auras des greniers. And in all to which you set your hand. Et dans tout ce que tu mets ta main à faire. And he will bless you in the land which the Lord God is giving you. Et il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Pray. Prie. In the name of Jesus Christ. Dans le nom de Jésus. Say, Father. Dis, Père. Command your blessing upon me. Commande à la bénédiction d'être avec moi. Upon my storehouses. Sur mes greniers. And upon everything that I put my hand. Et tout ce que je touche, mes mains touchent. Command blessing to be upon me. Commande la bénédiction d'être avec moi. In this land. Dans ce pays. Pray. Prie. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Père, je viens auprès de toi dans le nom de Jésus Christ. Je te commande, je te demande, Papa, commande la bénédiction d'être avec moi dans le grenier. Des bénédictions. D'être avec moi, mon Père et mon Dieu, d'être dans mes greniers, d'être dans mes affaires, d'être dans mes comptes en banque, d'être avec moi et dans tout ce que je fais, que tes bénédictions soient avec moi. Au nom de Jésus-Christ, hallelujah, glory, glory, au Rabacha. In the book of Psalm chapter 3, Psalm 3, 1 to 3, Bible says, 1 à 3, Lord, how they have increased who trouble me. Many are they who rise up against me. Many are they who say, oh, of me, there is no help for him in God. But you, O Lord, you are a shield for me, my glory, and the one who lifts up my head. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude s'élève contre moi. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. He is your shield. Il est ton bouclier. He is the one who lifts up your head. C'est lui qui relève ta tête. When you lift up your head, that means that shame is gone. Quand tu relèves ta tête, ça veut dire que la honte est partie.
is when you are ashamed that you walk like this. Quand tu es dans la honte, tu marches la tête courbée. You bow your head like this. La tête courbée. But today I'm telling somebody. Mais aujourd'hui, j'ai dit à quelqu'un. God is lifting up your head. Dieu va relever ta tête. He is your shield and he is the lifter of your head. Il est ton bouclier et c'est lui qui relève ta tête. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Now I'm praying. Maintenant je prie. Against the spirit of death. Contre l'esprit de mort. That's stubborn. Take a step forward. Avancez, prenez un pas, avancez. The one who wants to eat your flesh, God will feed him with his own flesh. Hallelujah. Heavenly Father, you say, I shall lay my hand upon the sick, they shall recover. You send your word and heal them. Father God, here I am. Toi qui fais de tes anges devant, de tes serviteurs des flammes de feu.